Parce qu'il y a des œufs qu'on va manger, et puis c'est une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Cela veut dire, comment dire que les actes de violence sont dans leurs mains alors qu'ils chantent avec nous, dans la même église, n'a chanté, alors la Bible dit comme ça, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et des actes de violence sont dans leurs mains et nos paroles, ils ont pas les couteaux dans leurs mains. Ce sont des terroristes dans les églises. Des terroristes calmes. Ils couvrent des œufs. Ils couvrent des œufs comme des mamans coulent. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Alors, est-ce que l'on fait attention à qui côté tibier nous menons, qui côté nous regarder, qui côté nous retrouver, qui côté nous nourrir? Est-ce que c'est dans l'évangile? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Ou bien est-ce que c'est côté qui a fait chaud? Attention, Jésus pas jamais fait chaud. Non d'accord. Amen. Si tu es bon, mais qui t'écoute fait chaud, c'est Jésus Christ. Mais fait chaud, il a fait miracle. Bon, pas jamais fait chaud. Et de nos jours, mais tout nous avons, bon, on va le faire miracle. On dit, ok, on va faire miracle combien? Bon, imaginez-vous, chaud qu'a fait. Chaud qu'on fait. Et puis, dit n'importe quoi, et puis on dit, on a fait la lever. Mais frère, mes soeurs bien-aimés, de nos jours, bon, mon tellement aimé bel spectacle, parce que bon, vous combien de fait spectacle pour moi dans l'église? Tellement nous aimé spectacle. Yo gen moun yo, yo gen emploi yo, yo fait venir, yo chita devant, et me dit, bon, on a dit, et bien, on a trempé. On vient dire que on a couché à terre. On vient. Ou pas ouais. On vient diviser toi avec. C'est le monde qui a baissé pour le camper. Et puis après ça, on a fait tout ce malgré cri que besoin faire. Et puis après ça, on a dit qu'il y a avec son main. Il a dit, oh, costume crème. Il dit, aaaaaaah! On a pas fait. Mes côtés, ils ont rivé de nos jours. Alors, gardez-vous, n'est-ce pas? Gardez-vous. Parce que si vous aimez les histoires, les spectacles, monsieur, vous m'avez, vous comprenez comment vous faites. Nous devons, deuxièmement, ouvrir nos oreilles pour entendre. Entendre quoi? Ça ne va pas dire, et qu'à peut-être nuit, mais obligé de dire, il nous faut ouvrir les oreilles pour entendre les bruits de l'enfer. Où est-ce que ça n'a pas eu? Ça n'a pas eu? Ce sont les bruits de l'enfer. Ce sont les bruits de l'enfer. Alors la Bible était mentale parce que en entendant l'autre, il y a des côtés où il y a fait de bagaille, il y a dit de bagaille. Et mon appareil au barreau sur WhatsApp, on est pour encourager, pour vous encourager, il y a des conseils pour vous et pour tout. D'ailleurs, monsieur est très intelligent, il y a un bon numéro de compte, il y a un bon c'est cela. Et étonnamment, quand pile monde qui a marché dans l'église depuis 20 ans, avec un bruit comme la de retour. Quand il nous bagaille, l'enfer est en action et vous contribuez aux actions de l'enfer. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres. Veillez. Veillez qui? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ou imaginez aussi au calquia. Cherchant qui il dévorera. Bon, il rugit. Parce qu'il veut détruire quelqu'un. Il veut prendre quelqu'un. Il veut manger quelqu'un. Et puis finalement, c'est où qu'elle offre des goûts comme qui a. Nous venons à l'église pour apprendre, pour comprendre et pour faire attention.
Bon, vous dites, ça me vient peut-être nous capables de s'en. Nous venons à l'église pour nous apprendre, pour nous comprendre. Et pour nous faire attention avec nous parce que l'enfer fait du bruit maintenant. Gardez-vous et tenez ferme l'évangile au gain. M'a dit, nous avons besoin de déployer l'intelligence pour nous comprendre. Nous devons ouvrir l'intelligence pour nous comprendre. Quelle est la cause des divisions? Quelle est la cause des déviations? Et pourquoi le découragement? Et c'est ça que fait m'a dit, que prions pour le tabernacle de Dieu, pour vous autres chrétiens, pour tous les chrétiens, pour tous les chrétiens réels. Ce que je demande à Dieu dans mes prières, comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er, les versets 9 à 10, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Vous entendez? Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement. Et c'est là qui est important, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Où est-ce que nous va venir? Dehors après nous attraper. Bon, moi, il dit ça, nous dit. Parce que vous avez tous les moyens techniques pour que vous cherchez, vous joignez et vous tellement bombardé avec bataille que finalement, si vous n'avez pas Jésus dans la vie pour protection, pour protéger, vous cavalez. Parce que tout qu'on a cherché délivrance, tout qu'on a cherché prospérité, j'en avais à Dieu. Ah oui? Me dit-on, parce que le pape dit nous. Parce que le pape a dit tout bagaille, mais quel bagaille? Une soeur en grande difficulté spirituelle reçoit les offres de Satan par l'intermédiaire de ses suppôts humains. Nous prêtons attention. Est-ce que nous prêtons attention? Une soeur en grande difficulté spirituelle qui t'a œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, puisque en difficulté spirituelle, en difficulté matérielle, en difficulté physique, et Satan offrit par l'intermédiaire de monde que le gain là, les possibilités pour une star, pour une star. Nous on s'appelle star ici. Nous on est star qui a fait la pluie et le beau temps de nos jours. Parce que on est le monde entier, on est au corps des stars. Et c'est la femme dit, nous. Il y a deux mondes qui ont entendu qu'ils chanter. Pas chanter, ou non. Bon, je dis, vous faites l'interview. Vous n'entendez pas les deux stars qui ont chanté dans la télévision. Tout le monde a couru. Et puis, nous avons ouvert la caille. Nous avons imité, nous avons chanté même la veille. Nous avons contrat. Nous avons contrat. Non pas comme contraire. Alors, la sœur en difficulté a reçu les offres alléchantes, par n'importe quoi. Et c'est là, il besoin que nous fassions beaucoup attention, les nous chrétiens, la partie nous garde à voir, c'est que cette sœur a appelé un pasteur. Ou le dit pasteur, son dit, il dit, oh petit frère, vous avez une offre pour ça, on sauve. Est-ce que le monde dit un pasteur qui mon fidèle a demandé le conseil puisque Satan réclamait les petits m'ont sauvé ou les à terre ou pas le star dans le monde, que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers si la terre son âme? Garde à vous
Garde à vous parce que Jésus revient bientôt. Ouais, tout ça va faire tout. Si tout le monde pas prend au sérieux, moi avec nous besoin qu'on ait que Jésus a retourné. Est-ce que nous d'accord avec ça? Amen. Amen. Moi avec nous connaît que Jésus a retourné. Est-ce que nous d'accord avec ça? Amen. L'on connaît que Jésus-Christ a retourné. Garde à vous. Garde à vous. Il a raconté un frère dit sur internet là. C'est un bébé qui était fait au Brésil. Le fait au Brésil, il fait avec deux mains fermées. Qu'on y a tout ça par en fait pour ouvrir, mais il n'est pas capable. On est obligé de demander aux médecins, il faut intervenir parce que mes petites la collé. On n'est pas capable de vivre comme ça, là, ils sont endommagés. Et là, ils font tout ça. Ils sont capables d'ouvrir les mains. Il y a une écriture dans la main droite et dans la main gauche. Jesus will come back. Jésus revient bientôt. Et là, ils font ouvrir les mains, petites la collé. Petit amour. Porteur de message. Porteur de message que vous tendez, que vous tendez, que nous tous tendez, mais il a fallu que mon Dieu voyait de façon miraculeuse parce que lui, souvent, nous donnons pas ce qu'il dit dimanche après dimanche. Et puis, le niveau de l'anglais, il y a deux histoires qui passaient. Le passé. Que ce soit maman, papa, mon proche, mon qui dans la zone, dans le quartier, pas oublier, parce que, bon, écriture dans le petit là, Jésus revient bientôt, et le message, une fois délivré, l'enfant est mort. M'a terminé avec trois questions que m'a posées. Les questions les plus fortes, parce que maman de nous répondre moins. Est-ce qu'on a intérêt pour nous? Même si on a intérêt pour corps, parce que nous sommes bien habillés, pas vrai? Nous sommes bien habillés, nous sommes là, nous bien habillés. Vous avez de l'intérêt pour votre corps? Est-ce qu'on a plus intérêt pour nous? On connaît que nous aimons la terre. Nous tellement aimons la terre, d'ailleurs c'est normal. Quand on achète calme pour nous arrêter, nous avons un beau bouquet, nous avons une belle machine, yes. Moi tout, achète calme, nous avons tout. Est-ce que vous êtes sous l'eau ou vous êtes calme ici là? Parce que bon, vous m'avez bonjour. Oui tout, oui, quelques meilleurs, c'est bon, vous êtes bien avant. Là, laissez-moi t'acheter. On va aller sur l'autre t'acheter. Le va aller sur l'autre t'acheter. Nous ne pouvons pas regarder tout. Regardez dans notre papier. Quand on a un cas où on gagne, regardez combien de monde qui est propriétaire là-bas. Ou pas de même propriétaire. Est-ce que vous avez un cas ici? Jésus dit que la préparer une place. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez une place pour côté la préparer? On connaît que nous aimons vivre. Vous avez une troisième question. Nous aimons vivre. Vous avez souci pour le temps. Nous tellement aimons vivre, d'ailleurs, nous ne pouvons pas venir. Dans le fait, je ne sais pas chaque année. Nous tellement aimons vivre. Est-ce que vous voulez? La caille nous tourne en pharmacie. Parce que nous voulons vivre. Est-ce que vous assurez la vie éternelle? Les signes disent que il y a des messages qui portent à réfléchir. Mais plutôt nous réfléchir qu'on y a pour nous prendre une décision dans la vie. Et c'est ça fait que, en dépit de tout ça, nous n'avons pas besoin. Si vous voulez être chrétien, je n'ai pas un conseil. Tenez ferme. Vous songez à ça? Tenez ferme. Quand j'avance, projetez le premier coup. Mais
223. Voyez l'étendard céleste qui s'agit devant nous. C'est un secours, il y a un secours. Face à tout ça, il y a un secours manifeste. Nous devons partir à l'avant. Il y a l'étendard céleste qui s'agit devant nous. Nous allons retourner la taille. Si Jésus-Christ peut retourner et si nous comptons pour qu'il est, nous allons retourner dimanche prochain. Avec quelle conviction? Conviction de quelqu'un qui est prêt pour le ciel ou quelqu'un qui veut rester sur la terre? Jésus revient bientôt. Garde à vous et tenez-vous prêts. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fait nous sentir que on est sur la bonne voie. Voilà, donc ça nous va perdre du temps, donc on va chanter. Vous voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un secours manifeste, frère, en avant. Nous allons assembler justement pour nous capables camper et nous capables chanter. Définitivement, fais-nous sentir en quel temps nous sommes, cher Seigneur.
Nous disons merci parce que tu es servi avec serviteur dans son sang. Merci pour le monde qui t'est présenté matin. Merci éternel Dieu parce que tu permets que vous participez dans le service ça qui sortit loin, ça qui sortit près, ça très près, cher Seigneur. Quelqu'un qui prend l'entrée de la caille dans le moment ça, nous demandons ton prix pour permettre chacun de nous-mêmes capable d'entrer la caille sans problème. Éternel Dieu, c'est une nouvelle semaine qui commence déjà, nous remettons dans la main. Nous ne connaissons pas ça, les gars, la donne. Mais nous ne qui est sûr et nous ne qui est certain, c'est que nous connaissons que si nous l'emmènons, cher Seigneur Dieu, semaine nous bien gardé. Et si vous décidez pendant la semaine sans tout pour venir, nous demandons ton prix au nom de Jésus, permettre que cœur nous nomme, nous va prêt pour le son de la dernière trompette. Ces prières que nous allons laisser à verbe, nous en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Avec Amen. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre bon Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, soit en partage à chacun d'entre nous, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.